Bonjour et bienvenue. Et on se lève pour cette survie des ténèbres. Donc. Allons allumer la lumière. Ha! Ha! Il y a encore une aurore boréale, donc le courant fait un peu des siennes. Ah, donc, en tout cas... attendez, on va faire ça. Pong! Donc nous avons... C'est pas mal quand même, je trouve ça cool moi perso, enfin bref. Donc nous avons... donc j'ai rajouté en fait les choses qu'on avait trouvées en plus, donc on avait des livres en plus, des petites choses en plus. Et tout ça, pas énormément non plus, on a le fusil qui est là. J'étais en train de me dire, dans l'inventaire nous avons... Il nous manque une bouteille à remplir une bouteille, là ça c'est plein. Alors le problème c'est qu'on a plus du tout de nourriture, si je dis pas de bêtises. On a zéro nourriture. Alors il y a un truc, c'est que le fusil il est à 53%. Donc je dirais pas non pour peut-être l'utiliser pour aller chasser genre un cerf ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est vrai que, on va dire, transporter le fusil c'est pas super intéressant. C'est lourd le problème, c'est lourd. Et il est déjà à 50% et tout ça, donc il va commencer à nous claquer dans les mains, c'est un peu chiant. Alors que le revolver il a 65% et on l'a déjà augmenté, il est déjà niveau 2 et tout ça. Et on a beaucoup plus de balles, on a 10 là et je crois qu'on a une trentaine là. 26. Donc c'est pas mal. Là on a la fourrure de lapin, donc il faut 3 jours encore pour qu'elle sèche. Donc ça c'est la fourrure qu'on avait pris la dernière fois, on va sortir. Donc je pense... alors je voudrais bien partir en fait à l'autoroute côtière maintenant, parce que ça serait intéressant, mais vous voyez que bon, voilà, on a ça, et après ça c'est de l'ours, donc l'ours non. Et c'est tout, donc on est très limité en nourriture, ok? Donc je pense que personnellement on va tout simplement chasser. Waouh, le truc il me sent de là-bas. C'est super. Donc je pense qu'on va faire ça peut-être l'épisode prochain. On va peut-être partir en voyage pour l'épisode prochain. Alors on a encore quelques massettes, on va pouvoir survivre pour les massettes, c'est pas ça va. Mais du coup on va devoir attendre que l'aurore boréale pardon, se calme pour qu'on aille chasser. On va mettre un peu de musique. Donc pour le moment on peut toujours pas donc faire les moufles. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est 4 pots. Nous on avait fait quoi? Le chapka, hein, on est d'accord. À chaque fois j'oublie. Donc le moufle. 2, 3, 4. Non, après c'est frais. Ouais, on en a que 3 qui sont sèches. Les bottes peut-être? On pourrait faire les bottes. 12 heures quand même. Bon bah go les bottes. Donc 1, 2. Et après c'était quoi? 4 je crois. 2, 3, 4. Donc l'aurore boréale, elle est finie ou pas? Parce que là, c'est un peu embêtant, là, par contre. On va voir. On va ressortir, on va faire un petit tour. Parce que je pense qu'on est sur la fin, en fait, de l'aurore boréale. Donc du coup... Ah, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est plus ou moins fini. Voilà, on est sur la fin de l'aurore boréale. Du coup, c'est quoi? Ah non, ça, c'est mes empreintes de pas. Oh. Devant, il y a un truc. C'est quoi ça? Un cerf? Oui, c'est un cerf. Ok, on va essayer de le pousser vers le... vers la maison. Ah.
On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il s'en va, il s'en va. On l'a eu, on l'a eu, on est bon. Ouais, on est bon, on n'a pas eu de dégâts. On n'a pas eu de dégâts. J'ai tiré au... j'ai tiré in extremis. Donc, du coup, c'était quoi? C'était vraiment un cerf ou c'était un loup qu'on a vu au loin? Je pense que c'était un cerf. Mais je suis pas sûr. Je l'ai entendu quand j'ai commencé à sprinter. Je l'ai entendu au dernier moment. Genre, il aurait pas tué le cerf pas loin de chez nous? Non, on va devoir se réchauffer et faire le tour. On va voir. Ok. Donc pour un début, c'est pas mal, hein. C'est un peu stressant pour un début, quand même. Bon, on a un loup. Ça nous aide pas vraiment, honnêtement. Non, ça nous aide pas vraiment. Mais on est d'accord qu'on a pris aucun dégât. Hein. Je pense pas. Je pense pas qu'on ait pris de dégâts, rien du tout. On l'a tué, c'est juste que l'animation, elle s'est jouée un peu à moitié. Mais on est bon, on est bon, on est bon. Ça va, ça fait plaisir. Fouf. Fouf, 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 fouf. On va recharger ça. Comme d'habitude, hein, revolver au slot. Hein. Désolé, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Parfait. Du coup, on pourrait commencer ça. Juste pour une heure. Histoire de que le temps s'améliore, en fait. Juste pour ça. On va voir. D'accord, ok, ça fait plaisir. La prochaine fois, j'irai dormir. On se réchauffera plus vite. Donc, alors attendez. Là, on a le cadavre du loup. T'en vois rien. Lui venait de là, mais ça m'étonnerait qu'il ait tué le cerf. Il avait l'air de venir de par là, en fait. De là, vraiment de la maison. Vraiment de la maison, mais je vois pas de cadavre. On est d'accord qu'il n'y a pas de cadavre de cerf qui traîne. C'est embêtant qu'on voit quasiment rien de loin quand on utilise la lampe. On va aller dormir, comme ça, ça nous réchauffera pour de vrai, parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas assez chaud. Oui, je sais, il fait froid. Donc, ouais, oula, du coup, je suis un peu chamboulé. Oui, mais on va essayer de toujours de trouver un cerf ou quelque chose de comestible, en fait. Est-ce qu'on a une lampe, ici? Est-ce qu'on a une... Ah oui, on a ça. Ok, c'est bon. On va toujours essayer de trouver donc notre cerf ou alors un élan, ce serait vraiment top. Mais on va pas trop fouiller non plus longtemps, parce que vous avez vu que bon, on a... il faut qu'on mange. J'ai pas vraiment envie de taper dans les massettes, parce que les massettes, comme j'avais toujours expliqué, c'est un peu la nourriture d'urgence qui ne pourrit pas et tout ça, donc on les garde de côté. Mais bon, on les mangera si vraiment on a besoin. Hein. C'est vrai que ça c'est un peu embêtant là. C'est un peu embêtant. En plus on a vraiment une vue toute pourrie quoi.
Alors faut faire attention parce que du coup, il y a le deuxième loup qui pourrait ne pas être loin. C'est quoi ça? Ça c'est trop pour être un loup ça. C'est un cerf ça. C'est un cerf. Donc il était bien là le cerf. On s'approche encore un peu. Oh putain. Okay, très bien. On n'a pas de bois. Faire attention parce que je vois vraiment pas grand chose. Je vais être honnête. Je distingue des formes en fait de loin et basta. Bon, on va avoir un problème, c'est pour le feu. Parce qu'on a faim. Enfin, on va commencer à avoir faim. Et on n'a pas de. On n'a pas de bois. Donc j'avoue que là c'est pas la fun. On va rentrer. Or je sais qu'on a du charbon à côté. Ouais, on peut toujours faire ça à la limite. On peut toujours utiliser du charbon. Personnellement je préfère garder le charbon de côté. Mais on va voir si on peut pas récupérer un peu de... comment dire, de... peut-être du bois à l'intérieur de la maison, genre des choses qu'on n'aurait pas cassées encore, je dirais. Moi, ouais, peut-être des caisses ou des trucs comme... La table? Ah non, la table, il faut la hachette, on peut pas le faire à la scie. Non, du coup, non, on n'a pas la hachette. Donc du coup, il reste plus grand-chose, en fait. Je vais être honnête. Ah, il y a vraiment pas grand-chose, en fait, à casser. En haut, c'est pareil, pas grand chose. Non, on va être obligé d'utiliser les charbons. Hein. Les blocs de charbon qui nous restent. Là, on a quoi? On a 2 litres. Ça va nous faire 1 litre, 1 litre 3, enfin, on va en perdre un peu. On va prendre les 2 autres bouteilles. Les bouteilles, je vais les laisser là, je crois. Vous savez, les bouteilles en bas, là, de 500 ml. On va les laisser en haut, parce que c'est un peu chiant à chaque fois de descendre, monter, descendre, monter. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va en jeter une, parce que j'ai pas envie que les deux en fait soient remplis à ras-bord. Je veux que celles de 1 litre soient remplies en premier. Voilà, très bien. Alors, on a pris ça, très bien. Il me faudrait une... Non, on peut pas... Hein. Il nous faudrait une petite table en fait, à côté, tout simplement. Il nous faudrait vraiment une petite table où c'est qu'on puisse mettre les bouteilles. Ce serait vraiment vraiment cool maintenant avec ce système. Alors on pourrait sortir maintenant, parce qu'on a un peu froid. Ah, peut-être dormir une petite heure. Enfin, elle va pas dormir une heure, mais au moins on se réchauffera plus vite et on consommera pas trop de calories. Ce que je me suis dit, on peut faire les chaussures pendant une heure. Ça nous ferait gagner bah, déjà une heure sur le craft. Mais le problème, c'est les calories, en fait. On est tellement bas en calories, je préfère dormir. Car dormir consomme moins de calories. Tout simplement. Très bien.
cette partie. Donc, ouais, charbon. T'es sérieux là? Non mais je vais pas tenter avec du vent. Ah là 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 là. Ça on va le prendre. Bon bah. Qu'est-ce que je vous dise moi? Bon bah on va faire une heure de craft parce que on va passer le temps. Parce qu'on peut pas dormir, elle est pas fatiguée. Donc on va crafter pendant une heure. Et on va manger des massettes, c'est bien. Ouais. Enfin même 2 heures. Enfin 2 heures, 1 heure 5, pardon. I need to find food. Je vois un peu. Ouais, on va juste prendre des massettes en plus. On en a vraiment pas beaucoup. Juste au cas où. Je préfère ne pas en manger, mais... Très bien. Je crois qu'il y a le vent qui se lève. Il y a vraiment le vent qui se lève. On va pas pouvoir faire du feu. Après, le feu, il est... Le cadavre est juste derrière un... Un arbre. Non, non, ça souffle trop. Parce que ça me repousse. Ça me repousse. Donc si ça me repousse, ça souffle trop. Donc ça va éteindre le feu si jamais le feu est trop exposé. Et vu que le cadavre, il est vraiment pas... mis de côté ou... Enfin, à l'abri. Ouais, on est mort là. Donc, on va devoir passer le temps. Faut attendre que le vent s'arrête. Ah, c'est emmerdant. J'avoue, c'est un peu embêtant. C'est pas grave, passe le temps. On passe le temps. Peut-être faire encore une heure. Je crois que ça s'est calmé. J'entends plus rien. Je crois que ça s'est calmé. On va en manger 5. Je suis en train de me demander, c'est quoi le mieux de... Je pense que le mieux, c'est de garder les bouteilles, en fait. Et de boire directement de la gourde. Parce que si jamais la gourde, on doit la jeter, bah déjà, ça fera du poids en moins. Mais la gourde, en fait, c'est facile à crafter. C'est juste... 4 ou 3 4 pots de lapin, je crois. À la limite. Alors que les bouteilles, comme j'ai dit, les bouteilles, il faut les trouver et tout ça, c'est chiant. Donc je crois qu'on va boire, en fait, de la gourde, surtout. Et, ouais, bon, on a un temps tout pourri et tout ça, on dirait Silent Hill, mais... au moins, il n'y a pas de vent. Et, du coup, ouais, je pense que c'est plus logique de faire ça. De boire d'abord de la gourde. Parce que, voilà, si jamais on a trop de poids, par exemple, bah, la gourde, on peut la jeter. Bon, après, on pourra la crafter où on veut, quoi. Mais bon, c'est... Oui, à chaque fois, il faut des pots de lapin. Mais au moins... Oh, putain. Oh, 1, 2 loups. Ok. Alors, on va d'abord vite jeter la viande qu'on a sur nous. Comme ça, on n'a plus l'odeur. Ouais, très bien. Ça, c'est un truc à faire. Si vous voyez les loups qui se tournent en fait dans votre direction, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'ils vous ont flairé. Et si jamais vous avez donc de la viande comme ça, s'ils sont trop près et qu'ils vous foncent dessus en fait, qu'ils vous cherchent, ils vont être du coup attirés par l'appât si vous le mettez pas, si vous le mettez par terre. Donc vous avez le temps de fuir. Mais si vous êtes un peu loin, un peu plus loin, comme là maintenant, ce qui fait putain de merde.
ce qui vient de se passer. Du coup, ils nous ont pas vraiment détecté, mais ils venaient dans notre direction. Donc on a jeté la viande avant qu'ils nous détectent. Donc maintenant, normalement, ils devraient plus, aller vers nous. Sinon, là, ils seraient déjà sur nous, en fait. Parce que comme j'ai dit, en fait, c'est un peu bête. Mais la viande, elle a de l'odeur seulement si elle est sur vous. La viande n'a pas d'odeur, en fait, quand elle est par terre. Donc bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, 2 heures. Ça pour faire des plumes. Alors avec ça, on ira plus vite pour faire la viande. Ah, très bien. Ah non, faut les garder sur moi. Cuir. Quarante minutes. Qu'on fasse attention à la nourriture. Ok, on a la peau, très bien. 6 minutes. Ça va pas brûler. Donc on risque rien. Non, pas de l'eau. J'aime pas cuire comme ça avec eux. Faut aller dans tellement de menus. C'est pas extrêmement pratique les menus. Ne dis pas que c'est du vent que j'entends. Non, ça va. Quoique. 42 minutes. On va le faire à la main. Oh, faut que je regarde mon feu. Que je regarde mon feu. 49 minutes, ça va. Non, c'est pas de l'eau. Toujours pas. Très bien. Bon voilà, ça se passe bien comme ça. Vraiment un temps pourri quoi. Ok. 39 minutes, ok, très bien. On va faire ça. Ben voilà, ça se passe très bien. Un petit cerf là, ça fera très, ça fera du bien à l'estomac. Ok, il nous reste un. Waouh, oh la vache. Ah, c'est le temps que je déteste. Oh mon dieu. Regarde, voilà, s'il n'y a pas des plumes. Quand on va revenir à la maison, on va prendre des torches, hein, parce que des gens qu'on voit rien. Alors là, s'il y a du loup et tout ça, ils vont directement nous sauter dessus. 50 minutes. On va faire ça. On fait à la main, parce que c'est vrai que... Sans déconner... À 25 minutes. Je vais attendre que les braises finissent. Parce que les braises en fait sont extrêmement chaudes, donc ça va, on risque rien. Mais je voudrais récupérer du charbon en fait. Bon, par contre là nos vêtements. Ouais, quoi que non, en fait ils sont séchés directement par les braises.
Parce qu'on a 32, ressenti 32. Les braises sont extrêmement chaudes. C'est marrant, le feu est reparti. Il y a trop de vent. C'est marrant, le feu est reparti quand même pendant 5 minutes alors qu'il y avait quand même trop de vent. Je pense que j'ai dû cliquer en fait sûrement au moment où le vent ne touchait plus le feu. Et il a recommencé à toucher le feu. Je sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Bon après c'est pas comme si ça allait nous aider. Non, on va voir rien du tout. Ah, ça va pas se calmer. On aurait eu de la chance si ça se calmerait, mais bon. Je crois que quand l'heure était finie, là, après qu'on ait récupéré le boyau, c'est au moment où la tempête s'est vraiment levée. Donc je pense pas qu'elle va s'arrêter maintenant. Non, je pense qu'on peut sortir. On peut rentrer. J'allais dire sortir. Restons concentrés. J'ai envie même de tirer dans le vent. Pour faire peur. Ok, on est bon. Toujours faire attention avec le revolver. Je le range toujours avant de faire une action. Parce qu'un tir par erreur est vite parti. Bon ben voilà, c'est bien. Je pense que... Je pense que... Qu'on a fait du bien, là. On a récupéré de la viande, on en a pendant un petit moment. Ça, c'est frais. Okay. On va faire ça, on va continuer les bottes. Il reste quoi ? 8 heures. Je suis en train de me dire, on peut faire les bottes maintenant. Et après, en fait, partir pour l'autoroute côtière. Parce que j'ai vraiment envie de voyager maintenant. Comme j'ai dit à chaque fois, je préfère quand même voyager. Hein, parce que bon, si c'est pour rester au même endroit tout le temps, c'est un peu chiant. Donc j'ai possiblement envie de partir une fois que les bottes seront faites. Je pense. Bien. Et on irait vivre en fait à l'autoroute côtière. On laisse tomber ici. Bon après c'est pas extrêmement loin non plus. Hein. C'est pas comme si on était bloqué du monde. Mais on laisse tout ça ici. On prend juste. Ben, j'en sais rien en fait ce qu'on prend. Être honnête, je sais pas. Il n'y a pas grand chose à prendre en fait. Ouais, non, on va à l'autoroute côtière et puis basta quoi. Enfin, on va vivre là-bas. À la limite, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre les pots. Parce que par exemple, pour faire le pantalon, genre prendre. Oh mon dieu. Attendez une seconde. Ok, très bien. J'ai envie de dire, à la limite, prendre quelques pots de serre. Je crois qu'il en faut 3. 2. 2 ou 3 pour le pantalon. Et on fera le pantalon, en fait, à l'autoroute côtière. J'ai pensé à faire ça. Parce que honnêtement, j'ai. Ah non, ça y est, ça commence. Or boréal. Parce que si on veut être technique, genre faire attention à ce qu'on fait, le mieux ça serait de rester ici. Bien sûr.
pour le moment, et de finir genre pantalon. Et de vraiment de finir le pantalon. C'est 3 pots, 4 boyaux. 3 pots? On en a 3, je crois. Attendez. Non, c'est ça commence l'aurore boréale, c'est pas encore plein. Vous avez vu, là c'est plus facile quand même d'utiliser la lampe, comme j'avais dit avec le coup du jerrycan et tout ça, et des mods. Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais vraiment dire. Maintenant c'est un peu moins le problème d'utiliser la lampe. 1, 2 et 3. Donc on pourrait déjà crafter le pantalon. Bon à savoir. Ouais, la lampe, les lumières, ça y est, elles s'allument. Dans un sens, c'est marrant en fait de pouvoir allumer les lumières quand on veut. Parce que quand il y a l'aurore boréale, ça marche plus. Et dans un sens, ça fait l'inverse, ça fait l'effet inverse. C'est pas comme si l'électricité en fait revivait pendant les aurores boréales. Là, ça fait l'effet inverse, c'est que l'électricité en fait devient complètement folle pendant les aurores boréales. Genre, on peut plus éteindre, on peut plus allumer, ça grésille et tout ça. Voilà, c'est dans un sens, en général, le même effet dans The Long Dark, que ce soit l'un ou l'autre, mais c'est différent. Et je trouve ça cool. Personnellement, je trouve ça assez cool. Alors, à la limite, ce qu'on pourrait faire... Je vais être honnête. On va finir les bottes, là. On va finir les bottes. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va encore essayer de chasser, ou je sais pas quoi. On va faire le tour un peu du propriétaire, comme d'habitude. Et ce qu'on va faire... Je crois qu'on va avoir le mal de l'enfermement, par contre, bientôt. Et ce que je vais faire, moi, entre cette vidéo et la prochaine, je vais faire le pantalon. Alors, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose, c'est que... on m'avait dit en commentaire... Enfin, on m'a rappelé le nom. C'est le pantalon de combat, en fait, qui est bien. Parce que ce que j'en avais parlé à un moment dans un épisode, mais je me rappelais plus en fait de quel pantalon on m'avait dit. Et c'est celui-là, donc c'est bien celui-là. Donc pantalon de combat, il fait 2 degrés. Après coupe-vent et tout ça, et humidité et résistance, à la limite on s'en fout la protection. Parce que comme j'ai dit, il y a toujours une couche extérieure et une couche intérieure. Donc par exemple là, ça c'est la couche extérieure, ça c'est la couche intérieure. Et pour les pantalons, c'est l'inverse. C'est un peu con par contre ce qu'ils ont fait. Ils devraient mettre en fait intérieur, extérieur. Enfin, c'est très bizarre. Donc ce côté-là, c'est couche extérieure. Ça, c'est côté intérieur. Ce côté-là, c'est côté extérieur. Et là, c'est côté intérieur. Donc je sais pas. À la limite, faut se dire que ce qui est proche du personnage, c'est intérieur. Et ce qui est à l'extérieur du personnage, c'est à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? À la limite, faut peut-être le prendre comme ça, c'est peut-être ce qu'ils avaient en tête, en fait, les développeurs. C'est juste une façon différente de voir les choses. Pour moi, ça devrait être tous dans la même direction, mais peut-être qu'eux, ils sont partis du centre du personnage, donc du coup, intérieur. Et après ça, c'est l'extérieur. Enfin bref, voilà. Je sais pas pourquoi je parle pendant 3 heures de ça. Mais du coup, donc... Je sais pas pourquoi je parle pendant 3 heures de ça, c'est abusé. Je me perds dans mes pensées... donc le pantalon qui est là, il fait 2 degrés, donc pareil que le pantalon de combat, après c'est plus 2, bon et 60, donc ça c'est mieux, donc celui-là on le mettra à l'extérieur, et il a 10 de résistance, donc quand on se fait attaquer par un loup ou un ours, on prend moins de dégâts, et je crois qu'ils ont moins de, ils prennent aussi... les vêtements aussi prennent moins de dégâts en fait, donc ça on le mettra à l'extérieur, et ça fait moins 5% par contre de sprint, et ça fait 2 kilos. Là, on a 0 en fait. Parce que moi, la plupart du temps, ce que je faisais, c'est 2 pantalons de serre. Mais du coup, on se tapait un moins 10% en fait. Pas moins 5, mais un moins 10%. Mais au final, les stats qui étaient importantes, c'était juste la chaleur. Parce qu'il y en a une couche intérieure et une couche extérieure. Donc du coup, on a besoin de crafter tout ça pour dire qu'on a besoin de crafter un seul pantalon. Oh, putain, c'est abusé. Aïe, 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 aïe. Voilà, tout ça pour dire qu'on a besoin que d'un seul pantalon. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire. Ah, le nécessaire de couture est mort. Ah merde, c'est pas fini. Je crois... C'est pas fini. Je crois que le nécessaire de couture, il a pété juste avant qu'on finisse les bottes en fait. Alors attendez, alors, j'en ai 1, 2, 3... 100%, celui-là dessus 95%, et l'autre il a 100% aussi. Ok.
Ouais, non, ça avait juste... ça devait être... genre, quelques secondes, il manque quelques secondes. Voilà. Ah, très bien. Voilà, très très bien. On va mettre les... les bottes en haut. Donc à la limite, c'est ce qu'on peut faire. On peut encore perdre un peu de temps ici pour cet épisode, tranquille. Faire un peu le tour du propriétaire, comme j'ai dit. On va le détruire. Ah, très bien. Et entre temps, moi je ferai le pantalon. Parce que j'ai un peu peur en fait que on ait la... qu'on ait un peu le mal de l'enfermement. Le mal de l'enfermement, moi je vais le gérer. Ah, je vais vous montrer. Bah tiens, on a qu'à y aller maintenant. Attendez, on va éteindre la lampe. Je vais vous le montrer maintenant. On va aller à la grotte qui est en haut. Elle est juste en face de la maison. C'est un des meilleurs endroits, en fait, quand vous avez le mal de l'enfermement. Vous allez juste en haut, vous avez la maison en bas. C'est vraiment... je pense que c'est un des meilleurs endroits... pardon. De toutes les régions, en fait. Ici, si vous avez un problème avec le mal de l'enfermement. Et pour partir, on ira prendre genre des steaks. On prend 2 ou 3 steaks. 2 steaks, je pense. Sur nous, on prendra... on va remplir cette bouteille-là. On va prendre 2 bouteilles de plus d'eau. Et on va pouvoir voyager. Ah non, franchement, oui, je crois que c'est un très bon plan, là, ce qu'on va faire. Parce que là, je pense, je le sens, là, le mal de l'enfermement arriver. Je le sens. Donc moi, ce que je faisais... il y a le cadavre du loup. Moi, ce que je faisais, c'est je notais les arbres. J'ai un peu peur, en fait, qu'il y ait des loups qui me foncent dessus, parce qu'ils nous voient tellement de loin, maintenant. C'est je marquais les arbres. Parce que la montée est un peu chiante. Surtout que pour se briser les chevilles et tout ça, ça c'est facile, hein, c'est très facile. Bon, ça va. On va aller un peu vite parce que... il a froid. Attendez. Là, et après on monte. Et on y est. Et il y a des lapins normalement. En théorie, en fait, il y a la corde là. Et c'est un peu l'endroit où ils veulent que vous passiez. Mais nous, on passe pas par... ah, normalement, là, il y a un cadavre de cerf, je crois. Carcasse de cerf. Ah, là, il n'y a pas les lapins à cause de la... de l'aurore boréale, hein, évidemment. Donc, voilà, c'est un cerf. Oh, je crois que l'épisode précédent, j'ai regardé là, pour le charbon, alors que c'était là. Je crois que j'ai fait une erreur comme ça. Mais bon, ça change pas le fait que j'avais pas de charbon sur moi. Mais... je crois que j'avais fait ça. Est-ce qu'on a chaud, hein? Dis-moi qu'on a chaud. Pfff, chier. Ça, on va le prendre. Juste un livre. Celui-là, on prend par... oh, une lampe tempête, très bien. Il n'y a pas de charbon.
Non. Vous voyez, si on avait encore... Ouais, il nous faut vraiment du meilleur équipement. Hein. Parce que même dans les grottes... Ou alors les grottes ont été changées, peut-être. Que je sais qu'à un moment, il y a une personne qui parlait de ça. Enfin, je sais plus, c'était sur le Discord ou sur le chat, je sais plus. Ils disaient qu'ils avaient modifié la température des grottes pour la dernière mise à jour. Mais je suis plus trop sûr. Mais vous voyez, donc vous pouvez dormir en fait dans la grotte. Peut-être rien. Donc vous pouvez complètement dormir dans cette grotte. Et c'est juste à côté de la maison. C'est vraiment vraiment top. C'est vraiment super en fait cet endroit. Ok, très bien. On a perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Mais ouais, cet endroit est vraiment top top de chez top. Pour ça. Vu qu'il y a une aurore boréale, on peut pas aller vraiment chasser ou quoi que ce soit. Je suis en train de me dire, peut-être qu'on va commencer à crafter le pantalon et puis basta. Et puis on... Ce sera la fin. Vous voulez que je vous montre comment on range les choses avec le mod? Donc on fait monter les choses. Hop. Et voilà. Stylé, non? Ah! On est à la fin de l'aurore boréale. Voilà, maintenant les choses sont bien mises. Ah, attendez. Oui, du coup, alors. Parce que nous, on a trouvé une lampe. Attendez, on va se mettre là. On va prendre ça. Alors. 75%, ça c'est notre lampe. Faut la garder. Faudrait même la... la réparer avant de partir, je suis en train de me dire. C'est vu qu'on peut l'utiliser pour faire du feu, je suis en train de me dire, on devrait la réparer. Il nous faut des outils simples, donc on a des boîtes. Et un morceau de métal et on l'a, ça prend une heure. Non, ça oui. On va le faire. On va le faire. Et oui, parce que maintenant on peut utiliser la lampe, donc ça vaut le coup. Normalement, c'est considéré encore en plein jour parce qu'il y a la... 45 minutes, ça va. 45 minutes avec la roue, avec la bleue, et je crois que la roue, ça va être 30 minutes. Je les replacerai après. Ah, faites voir. Réparer. Ah. Ah. C'est bon. On va voir ce que... Normalement, ça va me demander quoi utiliser. Ouais, ok. Ouais, 30 minutes, 45 minutes. Et celle-là, je crois qu'elle utilise 2% ou 3%, et l'autre, c'est 2% ou 1%. Donc, et elle est moins lourde aussi. Elle fait... Celle-là, elle fait 1 kg, l'autre, elle fait 0,50. J'aime bien le bruit mécanique qu'ils ont utilisé. Ouais, 97%, vous voyez, c'est 3%. Et ça... Non, 0,75, pardon, pas 0,50, 0,75. On a aussi la scie. Ouais, la scie aussi, il faudrait la réparer. Parce que la scie, je l'utilise beaucoup plus qu'avant. C'est vrai, dans mes survies d'avant, en fait, j'utilisais pas beaucoup la scie à métaux. Pour ce qui est viande et tout ça. Enfin, au début, je veux dire. Hein, parce que c'est vrai que même quand j'avais le couteau et tout ça, j'économisais le couteau et la hachette. Mais au final, honnêtement, on pourrait vraiment l'utiliser beaucoup plus que ça. Et là, je suis en train de, on va dire, de plus utiliser les outils, parce que bon, de toute façon, on va pas les garder indéfiniment, hein, les outils. Enfin, on va, à la limite, je veux dire, le fait de pas les utiliser, on les garde indéfiniment, mais on les utilise jamais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mieux vaut les, voilà, 96%, c'est très bien. Donc, mieux vaut les utiliser un jour, quand même, hein. Sinon, c'est pas drôle. C'est un peu comme la nourriture, parce qu'à un moment j'ai expliqué
que moi je prenais la nourriture d'abord en bon état et après je gardais ou je laissais la chose en mauvais état. Mais ça je le fais en intrus parce que c'est vrai que normalement il faudrait manger la nourriture qui est proche de la date de péremption en gros. Mais dans notre jeu on peut pas vraiment faire ça, sinon on est malade. Et oui, donc on est obligé de manger les choses qui sont en bon état. Ah, il n'y a que 0,27 dedans. C'est bête. On a combien? 30. Enfin, 3,00. Je vérifie à chaque fois si... Ouais, non, ça marche bien. Si ça marche bien, en fait. Qu'il n'y ait pas de bug. Ah, c'est ça, là, alors. Voilà, très bien. Bon, c'était pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre le jerrycan avec nous. Quand on partira. La caisse à outils, honnêtement, je pense pas qu'on en ait besoin. Je crois qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Moi, je vais coudre de mon côté. Ah, donc, parce que sinon, ça va être chiant. On avait dit 3 fourrures, 4 boyaux. J'espère que j'ai les boyaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah oui. 5, 6. On peut même faire du fil. On va même faire du fil. Du fil, ça sera utile. Très bien. C'est 2 ou 3? 3. Et on va le prendre avec nous. Toujours avoir du fil et une aiguille. Enfin, du fil et des hameçons plutôt. Toujours avoir ça sur nous. On en a 4. Et la 5. On va refaire du fil. Donc là, j'ai pris un boyau en trop. Enfin, j'utilise un boyau en trop et c'est là qu'on en a plus. Là, je vais péter un câble. Bon, ça serait chiant, non? Alors. Très bien. Le métal. Très bien. Donc on va faire un récapitulatif en fait sur ce qu'on va prendre. Et on va arrêter là. Du coup on a chassé, on a tué un loup in extremis, c'était quand même une belle peur. On a vu des aurores boréales un peu partout. On a vu la grotte qui était en hauteur. On a vu... Donc on a chassé après le cerf, on a pu récupérer de la viande. Donc on a de la viande pendant aussi quelques jours. On a crafté les bottes. Donc au final, honnêtement, on a bien bossé. Honnêtement, c'est un bon épisode, on a bien bossé, on a bien avancé. Donc ce qu'on va faire, nous... Donc moi, entre-temps, comme j'ai dit, je vais faire le pantalon. Et honnêtement, on aura un bon équipement. Donc on aura pantalon de cerf ici. Donc on va gagner 2 au lieu de 0,8. Donc 1 plus. 1,2. Ça, on va le garder comme j'ai dit. Enfin, on va les inverser, c'est pas grave. Ça, on va le garder. On va peut-être même le mettre à 100%. On a les bottes, on a les... Bon, ça c'est bien. Ah, il y a les moufles à faire. Alors les moufles à faire, les moufles on les fera là-bas, je pense. Que les moufles, c'est des pots de... C'est 0,10. Alors ça, c'est quoi? 0,50? Ouais. Donc à la limite, les pots de lapin, on peut les prendre avec nous si jamais... Ou alors peut-être que je ferai encore passer le temps. Et je crafterai les moufles aussi. J'ai envie de dire. C'est déjà 45%. Ça va assez vite. Mais en tout cas, je ferai le pantalon surtout. Et peut-être les moufles. Sinon, on les fera à l'autoroute côtière. Donc ça, il faudra qu'on le change, mais ce sera pour plus tard. Donc après, notre équipement est potable. Très potable. On est toujours en bien nourri. C'est très bien. On arrive à garder ça. Je pense que... Bon, notre inventaire, il est plus ou moins... Bien, on peut aller partout, on va devoir re-remplir notre gourde, comme on avait dit. Ça, il n'y a pas de problème, on va le remplir. Juste avant de partir.
On prendra donc le jerrycan avec nous. On a 3 litres de fuel à l'intérieur. Donc ça va, on pourra utiliser la lampe à tout va. On va. Est-ce qu'on prend la lampe de poche? J'ai envie de dire que c'est le côté ambiance. Honnêtement, on n'en a pas besoin. Je vais être vraiment honnête, on n'en a pas vraiment besoin. Parce que maintenant, comme j'ai dit, c'est plus facile d'utiliser la lampe tempête avec le système du mode de fuel. Mais bon, c'est pour le côté ambiance, donc on va quand même la prendre. On va pas prendre des faitouts, parce que ça va pas vraiment nous servir. On va garder les conserves, c'est tout, sinon ça fait trop lourd. Là, on va prendre le revolver, il a 63%. Il faut vraiment qu'on trouve un kit pour réparer les... Enfin, nettoyer, c'est nettoyer, je crois, les revolvers. Enfin, les armes à feu en général. En plus, on est bientôt au niveau 3. Ah non, non, c'est réparé. Ok, bien préparé. Le fusil, ça sert à rien de le prendre. On n'a pas assez de balles. On n'a pas assez de balles. Je crois qu'il y a 5 balles dedans. C'est trop lourd. Donc, c'est pas intéressant. Et après, pour ce qui est du matériel, on n'a pas grand-chose non plus. On a des bombes de peinture. On a déjà une. On a beaucoup de livres, ça j'avoue. Les pierres à aiguiser, ça sert strictement à rien. On n'a pas les outils pour à aiguiser. À la limite, je pourrais prendre un nécessaire de couture en plus. Les livres, je sais pas. Les livres, oui. Le revolver, parce que plus on augmente le niveau, si je dis pas de bêtises, plus on va réparer en fait. Genre là, il y a plus 2, après ce sera plus 3, plus 4, je crois. C'est comme ça que ça fonctionne pour le revolver. Donc, je crois que ça serait utile en fait de lire par rapport au revolver. Après, la pêche, c'est important aussi. Et après, en fait, ce qui est surtout important, c'est la couture, j'ai envie de dire. Et après, c'est quoi la cuisine? Enfin, tout est. Ouais, non, là, tous les livres en fait sont utiles, je vais être honnête. Même fabriquer des munitions. Même fabriquer des munitions, ça va être utile pour plus tard. Là, c'est quoi? Là, c'est le 25 heures pour le fusil. Là, c'est l'arc. Là, on a quoi? Fusil aussi. Attention aux pieds tendres. La meilleure compétence d'arme à feu, fusil. À la revolver. Non, je sais. Honnêtement, je sais pas les livres. On va peut-être rester avec ces deux-là. Point. C'est pas grave, de toute façon. Parce qu'il y en a tellement, en fait, tout est utile maintenant. C'est vrai que c'est embêtant. Ça, c'est un peu... Enfin, c'est un peu embêtant, il y a tellement de choses à faire. On a du coup, on a trouvé du bois. Désolé, j'étais un peu perdu dans mes pensées. La loupe. Bah, la loupe, en fait, elle sert à rien, je crois bien. Hein. On est d'accord. Donc ça, on va la balancer. Oui, je sais que t'es fatigué. Et puis voilà. Le bois, ça, on le laisse aussi. Pied de biche, on en a un. 92%. 100%. Là, on touche à rien. ,50 pour les massacres. On va dormir. On va dormir. Désolé, j'étais un peu perdu dans mes pensées. J'aime pas trop faire ça en direct à chaque fois parce que je me perds en fait dans ce que je quand je réfléchis les trucs comme ça. Mais ouais, on est prêt. Nous sommes prêts. Pas besoin de prendre du tissu parce qu'à l'autoroute côtière, il y en aura plein. Donc nous sommes prêts. La prochaine fois. J'ai pas de viande sur moi. La prochaine fois, comme j'ai dit, donc on partira à l'autoroute côtière. Moi, je vais donc faire le pantalon et peut-être aussi les moufles. On verra ça. Je vais sûrement avoir le mal de l'enfermement, donc je vais aller dormir dans la grotte. Puis après, je redescendrai ici. Et une fois qu'on sera prêt, en plus, on a quoi? Encore 3 bouts de viande, ça va. Je pense que ça suffira. Et après, le prochain épisode, direction autoroute côtière directement. Et on va s'installer là-bas. Comme d'habitude, on ira vers le garage. Je ne me rappelle plus du nom. On ira vers le garage.
Et puis on vivra là pendant un petit moment. On fera le tour de la zone. Fouiller toutes les maisons, récupérer tout ce qu'on peut, le plus possible. Et après, en deuxième temps, qu'on sera bien, on ira pour créer la hachette et le couteau. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça avance bien, ça avance bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. On a eu des petites aventures. Après la fin, je me suis perdu dans mes pensées. C'est pas grave, ça arrive. Et nous, on se reverra donc la prochaine fois pour de plus d'aventures, en fait, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Et faites attention à vous, comme d'habitude. Sortez couvert, surtout le visage. Enfin voilà, bref. À la prochaine, ciao ciao.